Là, non, Matissan, la police réagit concerne surtout DG Ariel la police sous le mot agent Hugues Moussa qui c'est Michelet Exil. Oui, DG PNH a été en conférence pour être capable de réagir sous un dossier et puis annoncer quelques mesures. Directeur général AI Police Nationale, la voix, c'est parti par informé police Exil. Michelet est présenté comme un policier modèle qui tombait en bas le bandit vendredi passé. Dans le cas de bataille, la police a mené contre bandit dans Matissan. Il y a un blindé TV dans PAN. Il y a un examen qui a profité attaquer blindé a malgré un fort arrivé policier Michelet arrivé perdit la ville. Léon Charles Bay garanti a continuer limiter action bandi dans zone ça arrêté tout si là qui était participé dans zak malhonnête si là en côté Léon Charles dans micro Jean-Philippe Massé. Après toute disposition que la police a été prête pour cadrer zone métropolitaine et renforcer présence nous sur route Matissan hier après-midi il y a des bandits qui attaquaient monde qui a passé sur route là. La police a réagi et après manœuvre que on blindé a fait, il vient une panne mécanique. Malgré tout, les policiers ont continué à riposter sur place. Nous avons eu renfort à travers plusieurs entités pour nous accompagner les policiers qui étaient en difficulté. Comme bilan, 7 des 8 policiers qui étaient dans le blindé, nous sommes arrivés évacués. Et malheureusement, nous avons des policiers qui sont tombés. Après que ils te font des tours, et apparemment, bandits ont été récupérés. Donc, l'autre policier qui a perdu connaissance, nous a conduit à l'hôpital. Maintenant, Kounia est à l'stable. Mais tout, on dit 7 bandits ont été stoppés. Plusieurs autres blessés, selon l'information que nous recueillons à travers le service d'intelligence. Donc, au commandement, ADC Sepatil, à la famille policière. Policier Exil Michelet, c'est un policier modèle, discipliné. Il est tombé pendant la défense du pays, pendant la défense de la police. Là. Nous avons continué à faire patrouille sur toute route Matissan pour nous permettre que la population vaque à l'occupation. Que tout le monde ait l'école, que le business a fonctionné, que tout le monde ait utilisé l'accès à ça. Dispositif que nous déploie, il réduit, limiter la capacité de nuisance de bandits à eux. Sous axe Matissan, bandits qui jurent pour terroriser la population. Nous allons continuer à renforcer le dispositif de sécurité sous axe. Et nous allons continuer à faire travail ça pour nous traquer, arrêter tout bandit qui a participé à l'assassinat policier Michelet Exil et pour nous traduire devant la justice. Nous avons lancé un appel à toute population pour nous continuer à appuyer la police dans tout effort à faire pour rétablir l'ordre dans toute communauté. Côté bandit, vous pensez que vous avez fait la loi. Voilà, déclaration DGA et la police en Léon Charles Gagnon, Chile Ludor qui a acquisé au commandement la police en dit que la cause la police au continue à tomber en babal bandit. Croyez, manque planification dans l'intervention qui souvent tourne en catastrophe. Pour parole, opération tête ensemble, critiquer incompétence responsable PNH dit qui va jamais faire vetting en de la police qui envahit à gang. En côté Chile Ludor. Encore une pensée spéciale pour la police nationale. Qui a victime de incompétence, de maladresse au haut commandement de la police là, que j'accuse le haut commandement de la police. Qui justement pas prend le temps qu'il faut, pas mettre les techniques qu'il faut pour comment il a géré question yo en termes de la police pour le faire en opération. Et me dit nous ça clair, si pas gagne un plan de sécurité qui est clairement établi, chaque jour la police pour aller a toujours gagné même incident ça yo. Dans la police. Et je sais de quoi je parle. Premièrement, m'a dit un bagage. Il y a un problème qui gagne dans intervention ça yo, même policier pour le faire yo pas en confiance. M'a parlé de policier pour le faire intervention ça yo. Pour une raison simple. Et me dit dans plusieurs radios. Ouais, la police pour le font intervention dans laquelle intervention. Il gagne des policiers de différentes unités là-dedans. Ça c'est un problème majeur. Parce que pas oublier, la police pas yon force répressive, c'est une force de prévention, préventive. Chaque fois mettez-le pour le faire répression, pour l'attaquer, pour le foncer de bagaille,
sous pas bien organisé, vous créez un problème. Ma bon exemple, je parle de différentes unités. Ma bon, m'a illustré ça, m'dou la scène. On imagine que vous avez BIM, vous avez SWAT, vous avez UDMO, vous avez, pas UDMO, vous avez SIMO, vous avez toute unité, différentes unités, et des CPJ qui parlent font intervention. Premier problème qu'on a, ZAM toute unité, ça ou pas même. Planification pas faite. Et ma bon exemple, si ma pas attaqué un ennemi ensemble avant, par exemple, nous parlons de Matissan, ou nan, soit moi-même, moi nan BIM. Et puis, m'go Kalachnikov nan même, ou gen yon Galil nan mon. Ou gon M16 nan mon, moi gen yon T65 nan même. Lè m'ap tire, lè m'fini. Lè bal m'en commence fini. Fon nèk à côté m'nan ka gen bal. Secrétaire adjoint affaires occidentales Brian Nichols fait qu'on est États-Unis gain gros tête chargé devant pourrissement situation sécurité pays. Diplomate l'a annoncé avant longtemps une délégation département d'État a vienne évaluer situation sécurité pays. Représentant États-Unis fait qu'on est tout l'été rencontré avec directeur général à IPNH là sous dossier ça. En côté déclaration l'ami Jean-Philippe Massé. With regard to security, we will have a technical team from the State Department's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement visit next week. Pour ce qui est de la sécurité, la semaine prochaine, nous aurons une équipe technique et du département d'État, donc du Bureau pour le narcotique international et la répression. Well, we had an excellent conversation yesterday with the Director General of the PNH. Hier, nous avons eu une discussion très productive avec le directeur général de la police nationale. We agreed on many of the steps that can improve the situation. Et nous nous sommes entendus sur différentes étapes qui peuvent améliorer la situation sécuritaire. But the technical team will flesh out those steps. Mais l'équipe technique qui arrive la semaine prochaine aura à aborder ces points, ces étapes de manière plus détaillée. The week after that, our Undersecretary for Civilian Security, Democracy and Human Rights. Voilà, ça c'est déclaration Brian Nichols, lui-même, émissaire ça, qui était rentré dans le pays. Et jeudi, au deux avec Ron Gonzalez, à côté, jeudi, au deux, j'étais parlé avec Premier ministre Ariel Henry, et puis au deux, parlé avec l'autre acteur politique, et puis acteur dans la société civile, là, concernant la crise qui a bouleversé le pays à dernier temps, c'est yo, et yo, t'es gardé causé insécurité à qui gagne dans le pays, là. Nous avons toujours été dans causé insécurité, là, nous avons parlé avec l'autre acteur qui ont même réagi concernant cas kidnapping qui fait sous pasteur à l'église à 10h Center. Oui, nous parler avec quelques réactions, l'autre réaction puisque c'est un dossier phénomène et sécuritaire, notamment kidnapping, pas suspend fait parler de lui. Nous souhaitons gain intervention réaction secrétaire général Fédération protestante là, Peterson Pierre, lui qui t'a parlé, qui t'a réagi sur ça, surtout après journée grève yoté lancé vendredi et puis hier encore, il a demandé pour tout chrétien habillé en noir et blanc et dans même jour ça un ben nèg examen dans l'église qui trouvait 10h Center dans Delma 29 et puis kidnappé pasteur avec deux l'autre fidèle. Nous après avec l'autre réaction toujours sur même dossier et ça pour capable permettre ensemble avec auditoire là qu'on est qui est-ce qui réagit qui ça aussi. Effectivement, nous prenons avec pasteur Maurice Lapierre, lui-même qui est président parti Réveil d'Haïti. Côté que pasteur Maurice Lapierre, lui-même dit condamné Zaka kidnapping qui fait dans l'église à 10h Saint-Thor et dimanche. Non, dans ma tête, côté Negaxam, rentrer dans l'église, aller avec pasteur l'église et puis aller avec deux autres fidèles. Pasteur Maurice Lapierre, puis lui-même demandé avec autorité aussi, il n'est pas capable de faire job, de faire travail, de démissionner parce que selon le président parti Réveil d'Haïtien, il y a l'autre monde qui est capable de faire travail ici là. Nous prenons l'invité de nos côtés et pasteur Maurice Lapierre qui condamné ça qui passé hier et puis exiger démission autorité dans l'État qui n'est pas capable de résultat. En côté pasteur Maurice Lapierre. Nous demandons encore, nous sommes capables d'aider parce que nous avons une place là et nous avons touché pour place là. L'homme, on a un jeune job ou pas qu'à faire, ça qui est honnête, c'est démissionner. C'est ça qui est honnête et nous avons dit pas longtemps, ou même chef d'État longtemps, ça veut dire aussi que vraiment, ou pas qu'à aider dans la place là, ça qui est plus honnête. C'est-à-dire, c'est un travail d'émission. De toute façon, nous sommes capables d'aider, nous sommes capables d'aider parce que nous ne sommes pas capables
pleurer. Après la mort, personne ne va jamais décrire. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une série d'actions. Bon, parce que tout le peuple n'est pas capable de diriger vers la destruction totale. Ce n'est pas possible. Il faut que l'État qui est là paye nos gens. Et si on n'est pas capable, monsieur, peut-être que vous ne quittez pas plus passer. L'autre dossier dans le journal la guerre, hémisphère américain qui boucle visite dans le pays d'Haïti vendredi, dans une conférence bilan dans l'ambassade américaine dans Tabas, secrétaire adjoint des affaires occident, Brian Nichols fait qu'on a rencontré plusieurs acteurs si à tes différents accords politiques. Un diplomate l'a dit l'apprécier accord Montana qui paraît un document solide qui gagne en pile force. Cependant, hémisphère là encourage acteurs à mettre tout accord ensemble pour joindre une solution haïtienne. Diplomate l'a fait qu'on est États-Unis encourage une solution haïtienne sans dictée États-Unis en côté déclaration de Mme Jean-Philippe Massé. Visit that we've undertaken to Haiti, its main goal is to support a Haitian-led solution to the problems and challenges that Haiti faces today. As the ambassador said, we met with a broad cross-section of society to advance that goal. Vous ici aujourd'hui. Donc l'objectif de notre mission, c'est de supporter une solution haïtienne, une solution prise par les Haïtiens. Et comme l'a dit l'ambassadeur Sisson, nous avons rencontré une grande frange de... And the positive part of that story was there was a great agreement on the challenges. Donc, durant notre visite, nous avons entendu beaucoup de personnes parler des difficultés, des défis auxquels Haïti fait face. Mais heureusement, il y a un accord sur les différentes façons d'aborder ces défis, ces difficultés. And there was also a surprising amount of agreement on some of the solutions. Et nous avons été impressionnés de voir l'étendue de l'accord, des accords qu'il y a en vue de trouver une solution. L'une des choses que nous encourageons, c'est que les gens se mettent ensemble et arrivent à forger une vision unique pour l'avenir d'Haïti. Directeur principal Conseil de sécurité nationale Juan González m'a excusé dans le gouvernement américain pour mauvais traitement migrants haïtiens ont été recevoir sous frontière. C'est en total 32 000 haïtiens qui arrivaient sous frontière ça depuis 9 septembre. Nous obligés à appliquer à ticket 42A pour pas recevoir. Déclaration Juan González qui fait qu'on est à travail avec Mexique et puis l'autre pays dans Amérique, non, Amérique centrale pour résoudre le problème migration. En côté directeur principal Conseil de sécurité nationale Ron Gonzalez, la petite détail dans micro collaborateur, nous Jean-Philippe Massé. First on migration, I want to say that all of us saw the images of the treatment of Haitians at our border, and I want to say that that it was an injustice, that it was wrong, and I want to apologize to the people of Haiti. That is not how our border officials or the Department of Homeland Security behaves. And the Secretary of Homeland Security immediately upon seeing those images called for an investigation into the treatment of Haitian migrants. Donc tout d'abord sur la question de la migration, vous avez tous vu les images concernant les traitements subis par les Haïtiens à la frontière. Donc je veux présenter nos excuses. Et je veux préciser que ce n'est pas, ces gens n'ont pas reçu d'ordre du département de la sécurité intérieure. Et le secrétaire à la sécurité intérieure, une fois avoir vu ces images, donc a présenté ses excuses et a donné des directives pour que ça soit rectifié. The proud people of Haiti and any migrant deserves to be treated with dignity. Donc les migrants venant d'Haïti et tous les migrants doivent être traités avec dignité. Donc, depuis le 9 septembre, 30 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière. Donc, nous utilisons le titre 42, donc, qui nous permet de ne pas accepter les migrants, et ce n'est pas seulement les Haïtiens.
Secrétaire général RDNP Eric Jean-Baptiste présenté vendredi un bilan rencontre deux émissaires américains qui ont gagné avec diverses personnalités dans la classe politique sous situation pays d'Haïti a fait face. Eric Jean-Baptiste a fait connaître une rencontre RDNP demandé d'abord pour États-Unis respecter droits sous migration avec dignité compatriotes haïtiens et puis souhaiter jouer une coopération technique pays États-Unis pour résoudre problèmes de sécurité dans un pays. Pendant la rencontre avec l'hémisphère américain, secrétaire général